plante de Saint-Cyprien, qui est située juste à côté du complexe sportif, à 500 mètres à vol d'oiseau de la mer. Et c'est un parc à l'anglaise, planté à la fin du 19e siècle par un riche propriétaire terrien, et qui occupe grosso modo une surface de 4 hectares et demi. Les essences présentes témoignent de son intérêt vraiment pour le végétal, parce qu'il y a des essences assez rares. On a un grand patrimoine d'arbres qui ont 120 à 130 ans. On a plein d'animaux de la nature, des écureuils, et puis au niveau des animaux qui ont été apportés sur le jardin, bon, il y a quelques pins, certains en volière, d'autres en liberté, et puis il y a un grand étang qui est peuplé de carpes japonaises. Alors, le jardin des plantes a une petite particularité, c'est qu'il est ouvert en fonction des saisons, tous les jours, ou fermé le lundi sur les mois d'hiver, mais il n'est ouvert, inaccessible que les après-midi. Tous les dimanches soirs de juillet-août, on a des petits concerts gratuits qui commencent à 18h et qui prennent énormément de monde. Il y a aussi, on a eu les vendredis après-midi, des activités d'initiation musicale ou aux arts du cirque, soit de yoga, soit de tai chi, chi kong, soit de méditation.